président de la République ayant tenu de s'occuper que de ses parents, ses enfants, d'une part. D'autre part, l'avenir des Mbouchi. L'avenir des Mbouchi. L'avenir. Déjà, les ministres qui ont tenu la conférence de presse disposent de l'ouvrage, donc ils sont les premiers à être arrêtés. Parce que eux, ils ont l'ouvrage. Ils le diffusent et ils opèrent la circulation et ils ont acheté ce qu'ils veulent priver aux autres Congolais. Il faut laisser à tous les Congolais la liberté de consommer l'ouvrage et de donner leur avis. Wilfried Beninga de la Justice ont dénoncé une imposture contre l'unité nationale exprimée dans le livre « Génocide des Lari au Congo » de Dominique Nkunku. Les deux membres du gouvernement ont annoncé des poursuites judiciaires contre l'auteur et la maison d'édition de cet ouvrage. Le ministre de la Justice a saisi le procureur général près de la Cour suprême que des poursuites soient engagées contre M. Nkunku Dominique. Ils seront poursuivis. L'avenir des Mbouchi. Et pour celles qui ont la nationalité congolaise, c'est l'occasion pour elles, ces personnes bien sûr, de venir répandre devant la justice de leur pays. L'avenir des Mbouchi. Écrit par Dominique Nkunku, un Congolais résident en France, l'ouvrage accuse le pouvoir en place d'avoir organisé depuis 1999 un plan d'extermination de l'ethnie Lari originaire du département du Pôle. Pour l'opposition, sa prohibition est une violation de l'article 25 de la Constitution, selon lequel tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion. Déjà, les ministres qui ont tenu la conférence de presse disposent de l'ouvrage, donc ils sont les premiers à être arrêtés. Parce que eux, ils ont l'ouvrage. Ils le diffusent et ils opèrent la circulation et ils ont acheté ce qu'ils veulent priver aux autres Congolais. Il faut laisser à tous les Congolais la liberté de consommer l'ouvrage et de donner leur avis. Vous privez un citoyen d'acheter un livre en papier, il achètera en version numérique. Notons que c'est un arrêté du ministère de l'Intérieur du 22 octobre 2018 et qui interdit l'entrée, la circulation, la distribution et la vente de ce livre sur l'ensemble du territoire national. L'avenir des Mbouchi.